Bonjour à tous et à toutes, ici Delphish. Donc aujourd'hui, nous allons jouer ou tester ce qui est vieux sur la Switch. Donc la Switch, voilà, vous voyez tous les jeux que j'ai. Donc ici, on va tester des petits jeux pour se faire plaisir. Donc si vous entendez, c'est parce que je respire, je suis un être humain comme tout le monde. D'abord, tout premièrement, on va tester le grand malheur. D'abord, je vais d'abord vous montrer ça. Ouais, c'est rapide. Je vais vous montrer d'abord ça, en fait. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un peu long. Quoi? Putain, c'est rapide. En fait, la dernière fois, ça prenait plus de temps. Et si, bizarrement, le truc, il rame beaucoup moins. Je sais pas pourquoi. C'est excellent. C'est quasiment instantané quoi. Ouais, quasiment quoi. Oups. Alors, nous voilà. Je sais pas pourquoi ça bouge comme ça. Arrête de faire ça. Allez, avance. Avance. Ah, je suis bloqué. Alors, nous voilà tout simplement dans une version de Minecraft spéciale. Comme vous voyez, il y a des shaders. C'est ça qui est stylé avec cette version-là, c'est qu'il y a des shaders dessus. C'est magnifique. Pourquoi tu fais ça? Arrête. C'est. Putain, mais ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là, ma manette, mais elle faisait pas ça avant. C'est magnifique. C'est sublime. Regardez, il y a des shaders et on peut faire de tout ici. On peut mettre de tout. Donc, on va sortir. Et on va voler. Voilà. Regardez à quel point le jeu est magnifique. C'est waouh. C'est vraiment un beau jeu. Alors, je vous explique ce jeu-là. J'y joue pour l'instant. J'ai pas trop d'idées, donc vraiment, j'y joue pas trop. Mais j'ai déjà commencé des constructions qui ressemblent, qui sont pas très intéressantes. Parce que c'est plus un test. Mais regardez l'idée. C'est vraiment très beau, quoi. Vous avez un petit. Oula. Heureusement que ça ne fait rien. Vous avez un renard tout mignonneté. Vous avez vraiment ces petites peluches que je peux avoir indéfiniment. C'est pour ça que je l'ai foutu là. Ils sont trop stylés. J'aime beaucoup. Alors, je vais vous montrer l'avatar. Tiens, tant que j'y suis. Arrête de faire ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Problème avec les Joy-Con. En fait, mes Joy-Con ont un problème. C'est, vous savez, le fameux problème récurrent avec les Joy-Con. Là, je les ai. Voilà, regardez. En fait, c'est tout simplement le personnage, il ressemble à ça. Ou alors, c'est tout simplement le jeu qui est bah, qui bug, pas possible. Ça, c'est possible aussi. Donc, voilà, vous avez ça. Donc, on va un peu vous montrer ce qu'il y a. Donc, je vais vous montrer un peu où j'en suis. Hop. Donc vous fermez les portes, c'est comme si vous déposez. Hein. Ah non, c'était pas ça du tout. C'est comme si on posait. Ah merde, quel con. Bon ben je me suis fait avoir. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'était ça, c'est juste. De toute façon, je ne sauvegarde pas, donc. Allez, rentre dedans. Regardez un peu qu'est-ce que ça donne. C'est pas mal, hein. Sincèrement, c'est pas mal du tout, hein, on est d'accord. C'est pas mauvais. Donc je vais pas trop traîner parce que je vais essayer de pas dépasser trop de temps. Comme vous voyez, en bref, le jeu il est shaderifié. Ça veut rien dire. En bref, il y a les shaders. C'est Minecraft version avec shaders, blue motion, tout ça. Vous pouvez régler hein, l'effet de blue motion, machin. Vous allez dans les options. Mais c'est pas là. Non, là, je bouge le temps. C'est pas ça que je voulais faire. Ah, c'est bon. Donc je vais tout simplement aller. Ah, voilà, on a trouvé. Alors, vous allez dans un graphiste et en fait vous regardez, vous avez ombre, vous avez brouillard et tout ça. Vous pouvez retirer tout ça, lueur, voilà. Et on peut essayer pour voir qu'est-ce que ça donne si on retire tout. Mais vraiment tout.
Voilà. Voilà ce que ça donne quand on retire tout. Voilà. Ben, en fait, c'est Minecraft. C'est comme Minecraft là, à ce moment-là. C'est vraiment Minecraft comme je l'aime pas, quoi. Sans shader. Là, c'est pas beau du tout, on est d'accord. C'est très moche. Ah non, c'est beau. Arrête de faire ça. C'est beau, mais moi, je préfère avec les shaders et tout ça. Là, c'est pas terrible, quoi. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je remets ça à fond. Je recoche tout ça. Parce que sans, c'est pas beau. Et voilà. Et nous avons un beau jeu. Un jeu magnifique qui est trop beau. Regardez-moi ça, quoi. Arrête! Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Regardez, j'ai même mis un panneau, c'est trop stylé. Qui marque des fiches. Pour gouverne, ce que vous voyez à chaque fois que mon personnage redescend à la tête, c'est pas moi, c'est Joy-Con qui bug. Ça descend tout seul, je sais pas. Avant, ça ne le faisait pas, sincèrement. Je comprends pas pourquoi ça me l'a fait maintenant. Voilà, regardez comme c'est beau. Alors ici, je suis en train de faire en train de changer toute la terre. Parce qu'en vrai, en général, la terre, elle est comme ça, en fait. Elle est comme ici. Mais je suis en train de rechanger la terre pour le LOL, pour m'occuper. Et du coup, je suis en train de m'amuser à faire ça, quoi, en fait. Tout simplement. Je change l'aspect de la terre, tout simplement. Voilà. Comme ça, vous avez vu à quoi ça ressemble. Putain, pourquoi ça fait ça? Mais en plus, c'est que dans ce jeu-là que ça fait ça. C'est bizarre. Donc voilà, donc vous avez vu à quoi ressemble ce jeu-là. Ouais, bah tu fous des trucs. En fait, je vais juste quitter. Sais pas ce qu'il y a sur le jeu. Et maintenant, on va tester le pire. Je vais dire, mais c'est quoi? Bah, c'est tout simplement le pire, c'est ça, quoi. Le pire, c'est ça. C'est Minecraft Windows 10, mais ici c'est la version Minecraft là quoi. Et en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de soucis. J'ai beaucoup de soucis avec la version sur le PC parce que ça ne fonctionne pas. Il n'y a aucun moyen que j'y arrive. Il n'y a vraiment aucun moyen que j'arrive à fumer le truc. Ça déconne complètement. J'ai même cru vraiment que c'était mon laveur média de l'Amazon que j'ai acheté qui déconnait, mais non, c'est pas du tout ça, c'est chez eux, c'est chez eux. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'utilise le laveur média LGP Lite. C'est la version de Gamer Live machin Lite, mais sans la carte SD et le Switch. Donc en bref, moi je suis obligé de le connecter automatiquement à un PC pour l'enregistrement. Je ne peux pas, j'ai pas mon moyen de faire autrement. C'est pour ça que c'était moins cher. C'était à 75 euros sur Amazon. Normalement, à la base, il est à 99 euros. Donc, j'en ai profité. Parce que voilà, ça coûte cher. Hein. Tout le monde sait bien. Les haveurs médias, ça coûte ultra cher. Donc, j'en ai profité. Donc, maintenant, on va aller visiter un peu des trucs que j'étais en train de faire. Parce que voilà, j'étais en train de faire ce truc. On va un peu vérifier. En tout cas, je fais une petite dédicace à mon pote qui ne sait pas trop encore c'est quoi son pseudo. Donc je vais l'appeler sur son ancien pseudo, donc DG Davy ou DWR Gaming. Petite dédicace à toi, mon pote, pour savoir ce que j'ai envie de te faire plaisir. Et aussi parce que je pense que tu vas être content qu'on va pouvoir faire des vidéos ensemble. Je peux vous dire que ça fait. Ouais, bizarrement ici ça prend un peu moins longtemps là. Je peux vraiment. En fait, je peux vraiment jouer. Ouais, ça va quoi. Alors, je vous présente. Donc ici vous avez le truc que vous disiez, mais comment il a fait ça? Ben, tout simplement, j'ai mis des trucs en dessous, vous voyez? Des machins en dessous. Tout simplement. Et c'est comme ça que j'ai fait pour. Ah, je sais plus du tout comment on fait. Non, c'est.
Ah merde. Non, non. Ah, c'est bon. Mais elle est correctement mise là en fait, pas vraiment gardez en fait. J'avais fait un truc avec les arrête ça. J'avais fait un truc avec les comment on appelle encore la table en fait avec les machins. Arrête, fais comme il faut. Je sais plus comment on appelle ça. Ouais, je sais plus le nom. Bon, bref, j'avais fait un truc avec ce truc. Je comprends pourquoi ça fait ça maintenant. Ouais. C'est nouveau. Mais non, j'ai deux Joy-Con qui déconnent. C'était déjà bien. C'était déjà chiant celui de. Vous voyez celui où on avance. Il déconnait déjà. Il déconnait. Il était déjà en train de déconner depuis un bon moment. Depuis 2-3 mois. 2-3 mois ou un mois ou deux. Et en fait, le truc, c'est que le personnage a l'air avancé tout seul. Et maintenant j'ai celui-là qui va comme ça vers le bas, donc l'autre. Donc maintenant j'ai les deux, c'est génial. Je comprends pas pourquoi j'ai ça. Ça m'énerve. Ici, pour préciser, en fait, je regarde le retour pour jouer. J'ai pas de PC en fait. Oh, j'ai pas de PC. Si, j'ai un PC parce que je me suis bourré de texte. J'ai pas de. Comment on appelle ça encore? Allez, d'écran. J'ai un écran cathodique, mais c'est pas terrible pour filmer. Donc voilà, j'ai un retour. J'ai simplement un délai d'une demi-seconde. Ça va quoi. Une demi-seconde de délai. C'est pas énorme, donc ça va. C'est pour ça que c'est bizarre, parce que c'est depuis que je filme comme ça que ça fait ça le Joy-Con. Est-ce que c'est à cause du délai de la demi-seconde? Je sais pas. C'est débile. Qu'est-ce que ça peut faire au truc au Joy-Con? Et il faut signaler, on est à 30 FPS. Hein. Et regardez-moi cette fluidité. Pas de trucs bizarres, non, non, c'est ultra fluide. Bon, vous vous posez pas de questions à hein, ce que je suis en train de faire, je suis en train de tabasser, de saturer. Ah non, je secoue fortement mon Joy-Con pour tourner la caméra. Dans tous les sens, violemment, enfin, pas violemment au point de le casser, mais je sais pas comment vous le dire, c'est pour le dégourdir, pour pas qu'il décolle trop en fait. C'est pas au point où je vais le casser, hein, mais voilà. Donc ici, on va aller voir, comme vous voyez, il y a un truc qui est mis sur cette côté-là. Comme vous voyez, j'utilise un pack de textures spécifique qui est très marrant. Bonjour. Oula! Un bug là. Je vous jure que c'est pas moi qui ai fait ça. Ça s'est souvent généré comme ça. Ah bah ça doit pas être pratique à vivre. Là, ça doit être un peu. Ah oui, j'avais envie de vous montrer ça ce coup. Ma meilleure heure. Parce que ok pour mon building, pardon, j'ai ok. Mon building, ok. Voilà, mais c'est pas non plus toute l'exposition. Mais voilà, c'est pas un truc le plus fou du monde qui existe. C'est pas folichon de la mort qui tue. Regardez pas, sinon c'est. Voilà. Donc en fait comme vous voyez en fait c'est une salle de j'allais dire une salle de classe c'est tout simplement bah, une salle un truc de miroir voilà je cherchais le nom en fait en bref le but c'est refléter le miroir d'ailleurs je viens de capter qu'il n'était pas droit je comprends pourquoi il a sûrement bougé à cause de la mise à jour. Mais normalement, le personnage là il devrait être un peu plus droit que ça. Mais en bref, en général, vous voyez un peu l'idée.
C'est censé être un personnage qui se voit en face. Vous voyez, un personnage qui se voit en face de l'autre. Et voilà quoi. C'est censé être un miroir, comme vous voyez. Comprenez un peu où j'en suis. Regardez. Ok. Vous voyez. Ok. C'est identique, on est d'accord? Donc là, de côté, c'est identique. Et en fait, ça donne cet effet de miroir et c'est stylé. Et c'est ça le but, en fait, c'est de faire croire qu'en fait, c'est tout simplement un miroir et qu'il n'y a rien de côté. En vrai, vous savez, si on casse le truc, il y a de l'autre côté, c'est la même chose. C'est comme si. Voilà! Chut, il faut pas dire, c'est secret. C'est secret défense, personne ne sait. Chut. Voilà. Le truc de merde à pas faire. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer ça. Et puis, deuxième truc que je voudrais peut-être vous montrer éventuellement, c'est un truc tout mignon que je voulais partager avec vous parce que j'aime bien. J'ai téléchargé cette map, je l'ai trouvée sur. Enfin, je l'ai achetée surtout parce qu'elle n'est pas gratuite, elle a 310 trucs de machin, il faut payer du coup. Donc voilà, il faut payer, hein. Vous pouvez pas la voir gratuitement cette map-là, hélas. Mais. Elle est mignonne. Ah oui, celle-là, c'est pas important. Voilà, c'est celle-là. On va un peu la visiter pour terminer. C'est la dernière qu'on visite d'ailleurs. Et après, j'arrête. Ce sera un bon test de vidéo. Et prochainement, on fera du. Comment on appelle ça? Du machin, là, je sais plus le nom. Vous savez, le truc paladin. On fera une petite partie de paladin. Yeah! C'est trop bien. Voilà, on va en faire une petite, hein, si vous souhaitez, une petite partie de Paladin. Si ça vous plaît. Alors tout le monde va commenter, non, je veux pas, c'est de la merde. Ma tristesse. Non, je connais. Ouais, c'est bon. J'ai utilisé un pack. Ah, c'est le pack. Le pack. C'est le pape! C'est le pack égyptien que j'ai utilisé, tiens. C'est vrai que j'ai acheté un mode égyptien aussi. C'est cool. Ça y est. Allô? Puis ouais, qu'est-ce que c'est là? Alors, je pense que je me suis trompé. Voilà, en fait, comme vous avez compris, c'est un truc avec des cuits de renard blanc, donc de renard antarctique et de renard cheval. C'est trop. Je ne pouvais pas résister en fait, elle était trop belle cette main. Regardez-moi cette condition.
le jeu. Vraiment, le jeu ne veut pas. Admirer seulement un bon moment sans parler, je me tais. Merde, il n'y a plus de musique. Dommage. En fait, je voulais pas parler justement parce qu'il y avait de la musique, mais bon, s'il n'y a plus de musique, ça sert plus à rien. Dommage. Foutage de gueule, tu sais, le mec il se casse le cul pour retirer son truc et il n'y a plus de musique. Ah mais c'est quoi ce troll? Ah parce que ça existe. Et voilà, c'était une petite vidéo détente pour vous dire en bref que ça y est, j'ai un laveur média, un haveur média, pas laveur, pas confondre, parce que je dis toujours laveur média, c'est pas laveur, c'est pas pour laver, c'est pas un lavoir, hein, c'est pas pour laver. Ah, qu'est-ce que t'es drôle moi-même? Ah, non, je sais pas. Donc, c'est pas un laveur média, c'est un haveur média. Donc, voilà. En bref, comme vous avez compris, c'est parfait, je peux faire des vidéos sur ma console. Sur ma Xbox aussi, hein, sur ma Swan. Parce que j'ai une Xbox One aussi. J'ai Lucky Tail, c'est Super Lucky Tail, Fallout 3, GTA 5 et 4, et SSX3 et Volt Disney. Star malgré lui. J'ai tous ces. Et un jeu aussi, j'ai un autre jeu aussi, mais je sais plus quel. Voilà, comme ça. Donc je vous dis. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas si vous avez vu tous mes jeux, donc je vous les remonte si au cas où j'ai oublié. Voilà. Ça fait tout ça en tout. C'est magnifique. Et voilà. Donc je vous souhaite bonne continuation et j'espère que ça vous a plu. Et en même temps, ben, l'avant média va peut-être me permettre de jouer sur grand écran, peut-être éventuellement, vous savez, sans enregistrer en fait. Si je vois que. Parce que si j'enregistre, donc c'est aussi pour ça qu'il y a un délai de quelques secondes. Mais peut-être au moment où j'enregistrerai pas, le délai de quelques secondes va disparaître du millionnaire de secondes. Du coup, ça va être tellement quasiment instantané que ça va peut-être me permettre de jouer sur mon écran. Donc j'aurai un plus grand écran. Donc c'est parfait. Non seulement l'Haveur Media me permet de jouer sur un écran sans acheter un truc là, une TV, mais non seulement elle me permet d'enregistrer mon gameplay. Que demander de plus? Allez, ciao ciao, c'était Delphiche.